Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais répondre à quelques. On va voir une certaine solution du DB sur première écriture des équations mathématiques. Par exemple, ici, on a en calcul les intégrales suivantes. Il ne faut pas oublier qu'en français, il faut faire un espace insécable avant les deux points. Donc, on utilise le tilde. Ensuite, on a Begin Equation étoile pour dire que cette équation ne sera pas numérotée. On écrit notre équation. Notre équation serait écrite dans une ligne à part. Elle ne serait pas écrite comme un paragraphe. Si on prend cette équation par exemple, on la met ici. Bien sûr, il faut l'englober entre deux dollars. On n'oublie pas le point. On recompile pour voir. On a cette intégrale maintenant, elle est inline. C'est-à-dire que l'écriture serait compressée de telle sorte qu'elle soit écrite dans un paragraphe. Par contre, pour avoir une meilleure écriture d'une équation assez grande, donc on utilise l'environnement Begin Equation. Par exemple, sans les étoiles, sans l'étoile, pour dire qu'on va le numéroter. Il est préférable d'utiliser un label pour après dire première, par exemple, intégrale. Par exemple. Ensuite, en bas, on dit les équations de Cauchy-Riemann sont données par. Avant, on va dire d'après, par exemple, les équations précédentes. Ensuite, un espace non sécable, EQRF. Par exemple, ici, première intégrale. Les équations sont données par la même chose. On fait un espace insécable avant les deux points. On recompile pour voir. Peu importe le sens de notre écriture, parce que on est en train de faire un exemple pour mieux comprendre. Donc ici, l'équation est numérotée 1. Ensuite, en écrivant EQRF, l'attaque va remplacer EQRF cette commande par le numéro de l'équation. Ici, c'est le numéro 1 entre parenthèses. N'oublions pas qu'avant la virgule, on n'a pas d'espace. Veuillez m'excuser un peu, je reviens. Ok, je m'excuse pour voir. Petite pause. Donc j'ai dit que EQRF va faire un renvoi vers cette équation. Son numéro de page, autre chose et autre référence qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. Ensuite, on a une des écritures, c'est U de X égale dérivée par rapport de U par rapport à X. Est égal à 2 plus 35. La dérivée de U par rapport à Y, c'est 2 plus 35. Ici, on a utilisé Begin Cases pour dire, par exemple, le U est égal, par exemple, 2,35. Ensuite, texte, par exemple, pour dire si X dans R. Pour écrire R, il vaut mieux utiliser MathBB parce que ça serait R avec deux barres. On recompile. Bien sûr, on peut faire une compilation automatique, auto-recompiler. Donc ici, c'est écrit la dérivée de u par rapport à x est égale à une certaine valeur si x appartient à r. Par contre, si on n'a pas d'écriture des cas à droite, ou même si on a, il est préférable d'utiliser Begin Alinit. On va refaire la même chose pour que vous puissiez voir la différence. Donc j'ai utilisé un Begin Alinit qu'on a vu déjà dans la page d'explication de Wikibooks. Donc on recompile pour voir. Ce n'est pas la peine de recompiler parce que ça se remplit tout automatiquement. Remarquez ici qu'on a directement une écriture beaucoup plus grande parce que cette écriture serait sous la forme de display. Donc pour mieux organiser tout ça. Donc, on va supprimer tout ça.
On a ici un alignement à gauche. Je vais faire un alignement à gauche. Ensuite, après 2 plus 35, il y a une certaine écriture. Donc, 2 plus 35, ici par exemple 2,56. Et remarquez à droite qu'il y a un certain changement. Texte, sinon par exemple. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque maintenant que texte si x appartient et sinon sont alignés à gauche. Si on ajoute un autre alignement ici, je pense que ça va régler le problème. Pourquoi ça n'a pas réglé le problème? Parce que dans cet environnement aligné, on va supprimer tout ça. Le reste, on va plus utiliser left et right de cette manière-là. On va plutôt utiliser left anti-slash accolade pour dire écris-moi une accolade, et à droite on fait un right point pour dire c'est pas la peine de fermer l'accolade. On recompile pour voir. Ok, maintenant c'est beaucoup mieux organisé. Donc je vais voir quelques-uns de vos solutions pour faire des remarques. Donc, le fichier PDF, un de vos collègues m'a envoyé un fichier PDF contenant le code source. C'est-à-dire que son document est écrit en utilisant Google Docs, par exemple. Or, on veut bien avoir ce document écrit dans un fichier .tech, pas un fichier .pdf. Ensuite, quand on compile ce document, on obtient un fichier PDF. Une première remarque, c'est de faire un T majuscule parce que c'est début de phrase. Il vaut mieux éviter de faire des mises en forme particulières du texte, sauf si on est obligé. Ici, on n'est pas obligé parce qu'on peut utiliser la commande author et title. Il ne faut pas faire des espaces entre la commande et ses arguments, parce que ça peut poser des problèmes après. Maintenant, pour l'autre fichier, votre collègue ici a utilisé un environnement enumerate, donc. C'est quelque chose du genre begin enumerate. En bas, item et begin enumerate. Ensuite, on a écrit f de x égale à 5x, par exemple, sur, disons, une fraction. 5x sur 3y plus 2, par exemple. Ensuite, la même chose avec g de x par exemple. 4x sur plus f de x y, disons. Exemple. Donc, c'est dans cette écriture, l'écriture des maths est en ligne, c'est-à-dire entre 2 dollars. Dans ce cas, l'écriture sera beaucoup plus petite. Donc, si c'était le rendu voulu, si on voulait faire cela, par exemple, il y a un paragraphe, il y a des écritures, il y a du texte avant ces commandes, ces symboles de mathématiques, alors c'est bien. Sinon, il vaut mieux l'écrire de cette manière-là. Begin equation, par exemple, voici l'image. Par exemple la fonction f parce qu'on est dans un texte image par f des points dollar x y dollar ensuite on met tout ça dans un environnement display par exemple entre deux crochets ici le rendu est beaucoup plus meilleur parce que f de x est écrite beaucoup plus grande okay? Remarquez ici que j'ai évité de faire des espacements, il n'y a pas d'espacement, c'est-à-dire de saut de ligne, parce que ces sauts de ligne seront, deux sauts de ligne seront, auront une autre explication par la tête. Donc, on va faire ici, par exemple, ici, on va faire deux sauts de ligne pour il y a des étudiants qui pensent que c'est pour mieux organiser le texte, mais ce n'est pas le cas, ça. Ça aura un autre effet sur le document. Donc remarquez ici qu'il y a une alinéa au début. Après, puisqu'on a fait deux sauts de ligne, donc il y a une autre alinéa ici.
Si on enlève ces deux sauts de ligne, alors cela serait compris par la tech que tout ça est un même paragraphe. C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire des alinéas ici. Par contre, si on fait deux espacements, deux sauts de ligne de cette manière-là, alors cela aura pour effet que cela sera compris comme un premier paragraphe et cela un deuxième paragraphe. Okay? Donc, il vaut mieux éviter tous ces espacements. Okay? Si on veut faire un espacement de cette manière, il est préférable de faire des pourcentages. Parce que de cette manière-là, ce saut de ligne ne sera pas compris par la tech comme un saut de ligne, mais plutôt comme des endroits pour faire des commentaires. Regardez le rendu maintenant. Donc, si on veut faire des sauts de ligne pour mieux organiser notre texte, il vaut mieux utiliser des pourcentages pour dire que ces deux lignes, ce n'est pas la peine de les comprendre comme un nouveau paragraphe. Okay? La même chose ici. Entre begin equation et end equation, ce n'est pas la peine de faire des espacements, même ici. Si on veut faire des espacements, par exemple, on fait de cette manière-là. On dit par exemple, je vais faire telle ou telle chose. Okay? Parce que cela serait un commentaire, cela ne va pas modifier le rendu du document. Remarquez ici qu'on a utilisé begin enumerate. Enumerate va nous donner un point pour les cas. On peut faire utiliser itemize. Donc en utilisant itemize, on aurait des tirets. Ces tirets sont faits parce qu'on est en train d'utiliser français Babel. Si j'enlève français Babel, je recompile, alors itemize serait une autre forme, aurait une autre forme. Cela, c'est la forme par défaut utilisée pour l'anglais, et cette forme est la forme utilisée par défaut pour le français. OK? Bien sûr, on peut changer tout ça. On va faire par exemple dans Wikibooks, on va en haut par exemple pour ne pas utiliser Overleaf beaucoup. On va faire par exemple ici itemize. Itemize, latex, list structures. Donc ici, on a itemize, enumerate et description. Donc c'est écrit. Regardez ici qu'on a des bullets. Et pour enumerate, on a un, deux. Pour description, on a par exemple ant, une souris, une fourmi, c'est quoi? Un éléphant, c'est quoi? Okay. Donc après, en bas, on va voir que pouvoir itemize, c'est ça. Enumerate, c'est ça. Description, c'est ça. Donc la commande, sa syntaxe est de cette manière-là. Donc on va faire prendre cette syntaxe et la réécrire en bas pour mieux comprendre comment ça se fait. Donc, blind text, pour que cette commande soit comprise par la tech, il faut utiliser un use package blind text. C'est pas grave, on va pas faire de blind text. On va faire écrire. C'est une fourmi, par exemple. Là, ce sont des fourmis. Ce sont des fourmis. C'est un éléphant, par exemple. Exemple. Donc, en changeant elephant par éléphant par S, ça va se changer ici en S parce que j'ai fait une compilation automatique. Int, on va la changer par insecte ou tout autre animal ayant telle ou telle caractéristique. Donc, on a une description. On peut changer rapidement cela vers enumerate. End enumerate. On recompile pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça va donner une autre écriture. Par contre, maintenant, parce qu'on est dans enumerate, le rendu sera différent. Si on enlève insecte et on l'écrit de cette manière-là, un insecte et, par exemple, il faut toujours faire un espace inségable avant
Une insecte. Un insecte, je m'excuse. Parce que je suis en train de. Donc, ce serait avec une autre structure. Donc, tout ça, c'est une façon d'écrire. Donc, on peut même faire des nested listes, donc des listes imbriquées. La première liste, c'est begin enumerate. Elle se ferme par end enumerate. Et en dedans, par exemple, sous first item, on a un autre environnement enumerate, un autre environnement itemize, un autre environnement description. C'est comme on a besoin. OK? Vous pouvez même voir pour les enseignants, vous pouvez voir le package tasks pour faire après des équations avec des numéros qui sont des questions à choix multiples. Okay. Je vais voir les autres documents. Donc on a ça. On a ça. Donc j'ai fait la remarque que pour utiliser le R, il vaut mieux utiliser MathBBR. Okay. Le quatrième exemple des équations mathématiques. Ici, je pense que la structure que ce fichier, ce paragraphe est écrit de cette manière-là. Texte BF, ensuite tout ça. Par contre, remarquez que remarquez le rendu du fichier. Donc le quatrième exemple des équations mathématiques. Par contre, il vaut mieux ne pas utiliser des mises en forme particulières, mais plutôt utiliser par exemple des sections. Donc la section, le quatrième exemple des équations mathématiques, par exemple. Malgré qu'il y a un certain numéro, si on ne veut pas faire de numéro, donc section. Étoile, c'est-à-dire son numéro, on recompile. Donc, on préfère cette écriture-là. Bien sûr, vous allez me dire que il n'y a pas assez d'espace pour écrire tout ça. N'oublions pas que nous avons utilisé le document de classe 12 points. Donc, si on a besoin d'un peu plus d'espace, on aurait utilisé, par exemple, au lieu de report, par exemple, book ou article. Ensuite, en bas, on aurait utilisé un certain package géométrie pour après faire certaines modifications. Okay? Remarquez déjà qu'en modifiant en utilisant certains packages et en modifiant le style, la classe du document, le document a une autre forme. Si on avait utilisé les quatre exemples des équations mathématiques, le changement ne sera pas assez conséquent parce que le quatrième exemple est écrit en texte BF, c'est-à-dire bold, c'est en français c'est gras. Par contre, en utilisant section étoile, on peut changer radicalement l'écriture. Par exemple, elle serait italique, elle serait soulignée, elle aurait une taille beaucoup plus grande ou une taille assez petite. Donc, ça dépend de ce qu'on a fait dans le préambule. Par contre, texte BF ne sera pas changé en changeant le préambule. Elle serait toujours du texte gras. Okay? Donc, c'est à vous de voir dans quel cas on utilise texte BF et section. Pour une mémoire une thèse ou un mémoire de fin d'études, on utilise toujours des sections parce que, par exemple, cette section serait répertoriée après dans la table des matières. On aurait à faire des renvois après. On aurait peut-être besoin du numéro si on va faire un article. On aurait peut-être besoin de ce numéro pour après dire, pour mettre après des équations. Par exemple, on aurait besoin que les équations soient numérotées par section. Exemple ici, set declare count, c'est pas intéressant. Graphics, on n'a pas utilisé de graphes, donc ce n'est pas besoin. Il faut pas, ce n'est pas, on n'en a pas besoin. Minitalk, on n'en a pas besoin. AnsMath, c'est pour les maths. AnsSimple, c'est pour utiliser MathBB et autres. Declare math opérateur,
On n'aura pas besoin aussi. Ensuite, on a number within equation. C'est section. Maintenant, les équations seront numérotées en utilisant les sections. On recompile pour voir le rendu. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Ok. Donc, ce numéro suivra cette section. Par contre, ce numéro aura une équation 0,1 parce qu'il n'y a pas de section. Par contre, si on enlève la commande de section, on laisse seulement la texte gras, alors le numéro serait de la même manière. Donc 0,1, 0,2, 0,3. Le quatrième exemple des équations mathématiques ne sera pas considéré comme un titre de section, de chapitre, et ainsi de suite. Passe maintenant aux autres camarades. Un ou une de vos camarades m'a envoyé un document de cette manière-là. J'espère que cela ne sera pas refait une autre fois parce que, puisque vous avez Internet et vous m'avez envoyé un fichier, donc vous avez assez de temps pour écrire tout ça. Ça ne va pas prendre 10 minutes pour écrire tout ça dans Overleaf et me l'envoyer, c'est beaucoup mieux. De toute façon, cette écriture n'est pas fausse, mais il y a certaines choses que vous n'allez pas remarquer si vous utilisez les écritures à la main. Il faut écrire sous la tech ou écrire avec un téléphone portable. Par exemple, ici, remarquez que Begin Equation ne sera pas considéré par la tech parce qu'il y a un accent, alors que la tech ne gère pas les accents dans un environnement. Plutôt, l'environnement équation avec accent n'existe pas dans la tech. Ici, c'est bien de remarquer qu'il faut utiliser un tilde. La commande est bien écrite. OK, mais c'est en testant et retestant qu'on remarque que même, par exemple, ici, et donc trois points, ensuite, dans l'équation, serait écrite ici. Elle ne serait pas écrite dans la nouvelle ligne. On va le faire. Comme ça, vous aurez une certaine idée de comment ça marche. Donc, on va écrire. Par exemple, et donc, 3 points, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit dots. Ensuite, on écrit dans l'équation. On recompile pour voir. Vous allez voir que tout ça, j'ai oublié de fermer Begin End Equation. Je m'excuse. Donc, je l'ai écrit dans l'environnement maths, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on va écrire après. On recompile pour voir. Et donc, trois points de suspension dont l'équation est écrite dans la même ligne. Parce que ce saut de ligne ne sera pas considéré par la tech comme un saut de ligne. Ça serait considéré comme un espace. C'est comme si on a écrit un espace ou ensuite ça. OK? Donc, comment remédier à ce problème? D'une part, parce qu'après dots, on va faire des espaces. Donc, il vaut mieux faire des accolades ouvrantes et fermantes. Ensuite, si on veut écrire dans l'équation dans la même ligne, de cette manière, on a maintenant un espacement avant dans l'équation. Si on veut que dans l'équation sera dans une nouvelle ligne, dans ce cas, on utilise deux anti-slash pour dire reviens à la ligne. Remarquez que revenant à la ligne, cela serait considéré comme un nouveau paragraphe. Si on fait deux espacements, c'est le même. C'est une autre écrit. C'est le même paragraphe. Je m'excuse. Je vais revenir. Donc, si je fais deux anti-slash, tout ça sera considéré comme. Je m'excuse. D'où vient ça? Donc, laissons un espace ici pour que vous puissiez comprendre mieux. OK. Et donc, si je ne fais pas de saut de ligne, je fais deux accolades fermantes et ouvrantes pour dire que cet espace serait considéré comme un espace et non pas un espace. Et cela ne sera pas considéré comme un décalage pour. De toute façon, c'est pas là, je ne vais pas l'expliquer. Donc, et donc, dots. Deux accolades, une espace dans l'équation. Dans ce cas, l'espace sera considéré écrit ici. Si on fait maintenant, au lieu de ça, on fait deux anti-slash, même si on ne revient pas à la ligne, cela sera considéré par la tech comme un
Retour à la ligne. Remarquez que le retour à la ligne est ici et décalé par rapport à E parce que E, il y a avant une alinéa et il y a un décalage ici parce que c'est un nouveau paragraphe. Si on retourne à la ligne une autre fois, ça ne va pas changer le rendu. Par contre, si on enlève ces deux anti-slash et on revient à la ligne trois fois, le rendu dans le fichier PDF sera comme si ceci était un paragraphe et ceci c'est un autre paragraphe. OK? Bien sûr, vous pouvez remarquer que si on n'utilise pas français, alors le début du paragraphe premier et le début du deuxième paragraphe sera écrit d'une autre manière. Déjà, il y a un certain changement d'espacement. Si on utilise par exemple English ici, English Babel, je pense qu'il y aura plus de d'alinéa. C'est pas normal. Je sais pas pourquoi, mais pour l'anglais, de toute façon, dans certaines classes de documents, il n'y a pas d'alinéa du tout. OK? Pour nous, on revient vers French, Babel, Franquet. On a maintenant un autre espacement. Donc, cela dépend déjà des packages que vous utilisez en haut. Donc, si vous voulez faire d'autres changements, ce n'est pas la peine de faire des changements en bas. En ajoutant, par exemple, il y a certaines personnes qui ajoutent ça. Par exemple, VSkip. Big skip, parfois ils font ça. Big skip. Pour faire un espace. Il y a d'autres qui utilisent mid skip. Tout ça, c'est des modifications du style de document, mais c'est des modifications manuelles qu'il faut à tout prix éviter. C'est pas la peine de faire. Je pense que c'est medium skip, j'ai fait mid. Medium skip. Il y a d'autres qui font tout ça pour faire des espacements au début d'un paragraphe. Ils font tout ça pour faire un espacement. Pour dire, voilà, ce n'est pas utile et plutôt c'est néfaste à votre document parce que LaTeX gère bien les espacements et gère bien le rendu du document. Vous n'avez qu'à écrire votre document en utilisant les commandes begin et ainsi de suite, les balises item, les balises texte BF, si vous en avez besoin, sinon ce n'est pas la peine. Il vaut mieux l'éviter et utiliser section. C'est mieux. Si vous avez des modifications à faire, il vaut mieux qu'elles soient propagées avant le begin document, c'est-à-dire dans le préambule, plutôt que de l'écrire dans votre document. OK? On revient vers vos tests. Ici, ce document n'est pas du tout organisé et c'est pour cause, c'est que votre collègue n'a pas utilisé un environnement begin enumerate, par exemple. Il a écrit directement de cette manière, je pense, parce que il a écrit comme ça. X égale à 3. Ensuite, il a écrit comme ça. X égale à 7, par exemple. Ensuite, il a écrit 3. Et ici, il a écrit x au carré plus 4x plus 2 entre 2 dollars. Il a peut-être fait deux espacements de cette manière. Donc, si on recompile le document n'est plus organisé, n'est plus du tout organisé. Et c'est parce que on n'est pas dans un environnement qui organise. Si on avait écrit begin enumerate, ensuite on prend x égale à 3, on l'écrit ici, et puisque c'est du math, donc entre 2 dollars, ensuite la même chose, item, on fait la deuxième, dans ce cas, cela serait beaucoup mieux organisé, on supprime le reste. Le rendu est meilleur. OK? Bien sûr qu'il y a certaines modifications dans Begin, dans Enumerate, par exemple dans Itemize, on peut faire des styles, plusieurs styles. OK?
Il y a aussi des environnements enumerate, enumer item. Il y a plusieurs personnalisations qu'on peut faire. Mais au début, ce n'est pas la peine de faire des personnalisations, mais écrire votre document bien structuré. Parce qu'après, ce serait une modification. Je vais faire un exemple. Enumerate, package, change, style, number, par exemple. How do I change the enumerate list format, par exemple. Vous allez voir que... C'est pas grave, donc. C'est pas grave, je vais accepter. Je vais faire ça. Donc, without any package, you could do it with the command. Donc, il suffit d'utiliser cette commande au début. Sinon, on utilise enumItem. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire seulement label. Donc, par exemple, ici, on ajoute label alpha, par exemple. Et au début, on ajoute use package. Enum item, par exemple. On recompile pour voir. Ce serait écrit d'une autre manière. On veut faire, par exemple, le alpha 1 après un point. On recompile. Alors, ce serait avec un point. On peut faire des parenthèses fermantes. On peut faire, au lieu de alpha, on peut faire arabique. Pour dire c'est un nombre arabique, je pense que j'ai pas fait d'erreur. Romain, je pense. Je pense qu'on a besoin de Romain. Ah, ok, c'est arabique. On peut faire Romain pour faire des i majuscules, et ainsi de suite. Donc, une petite modification va modifier toute la liste, mais quel que soit le nombre de d'items à l'intérieur. On peut même faire d'autres changements beaucoup plus intéressants, mais au début, ce n'est pas la peine de faire des modifications particulières à votre code ou utiliser des écritures de la sorte. Il vaut mieux les éviter à tout prix pour que votre document soit bien structuré, bien accepté. Un autre étudiant, je ne sais pas ce qu'il m'a envoyé, il m'a envoyé un fichier de, je pense, une collection de commandes Maple. Je ne sais pas pourquoi. Un autre collègue a mieux structuré son document. Je préfère ici utiliser équation. Avec majuscule, la dérivation partielle, donc les dérivées partielles. Remarquez ici que ceci est sans alinéa. Par contre, le deuxième, c'est avec alinéa. Donc, c'est fort possible que votre collègue, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a fait un espacement. Il a écrit de cette manière. On va le voir. On va faire un exemple. Ce que votre collègue a écrit. Donc, dérivée de h par rapport à x, il a fait ça. Partial h partial x, puisque c'est une fraction, donc on va l'entourer entre deux accolades. Au début, on va faire frac, par exemple, il a fait ça. On va pas écrire le reste. On va écrire le reste, c'est pas grave. Égal à 2x. Ensuite, il a écrit de cette manière. Partial h y égale à 1, par exemple. Égal à 1. Il a compilé le fichier, il a vu que cela est dans la même ligne. Il n'a pas fait ça. Il a fait ça. Donc on recompile. Bien sûr, j'ai fait un espace entre dans l'équation, on va le supprimer. On va supprimer tout ça. On recompile. Et il a fait ça. Donc, si on veut bien organiser notre code, et puisque ce sont deux équations, on veut les mettre au milieu. Donc, on fait par exemple ce style. Cela serait un peu plus organisé. Un peu plus organisé, mais ce serait dans une nouvelle page, beaucoup plus grand. Par contre, le égal n'est pas au-dessus de l'autre égal. Donc, dans ce cas, puisque nous avons deux équations, on utilise l'environnement aligné. Aligné étoile pour dire que je ne veux pas qu'elles soient numérotées. J'enlève tout ça. Je fais deux anti-slash pour dire que
reviens à la ligne, end aligné, je le ferme avec un end aligné étoile comme je l'ai ouvert. On recompile pour voir. Et maintenant, c'est même pas organisé. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de caractère d'alignement. Maintenant, ce serait organisé. OK? Même si c'est beaucoup plus grand. Ce document est beaucoup mieux et mieux. Si on veut faire une accolade, alors on changerait de d'environnement. On va faire une environnement equation ou sub-equation selon les cas. And equation. Et maintenant, on va faire aligned. Aligned. On recompile juste pour voir que le rendu sera le même. OK. Ensuite, on fait maintenant left accolade. On ferme l'accolade juste après begin and aligned. Donc, right point. On recompile. Et maintenant, nous avons notre accolade sans changer le mode mat, c'est-à-dire qu'on est dans display. La même chose ici. L'intégrale, les bords sont assez proches parce qu'il est dans du texte. La même chose ici. La fraction est assez compressée. Maintenant, pour votre collègue ici, je pense qu'elle a utilisé ou qu'il a utilisé un environnement Begin Array. Donc, s'il utilise Begin Equation avec l'environnement Aligned, le rendu sera mieux. Votre collègue a fait la même chose, c'est-à-dire que cette équation, je pense qu'elle est dans du texte, la même chose ici, de toute façon, parce que ce n'est pas au milieu. Elle n'est pas au milieu du texte, c'est-à-dire centrée par rapport aux marges à droite et à gauche. Ici, les équations sont centrées. Par contre, il y a ici une erreur parce que SQRT, si on écrit par exemple ici plus SQRT x, ce ne sera pas écrit comme racine. Par contre, si on fait un anti-slash SQRT, x serait un argument donc entre deux accolades. On recompile pour voir. Maintenant, c'est racine de x. Bien sûr, on peut même écrire racine de x plus 2x au carré. OK. C'est beaucoup mieux. Ici, pour 3 fois x. Le étoile a une autre explication, je pense que c'est le produit de convolution, donc il vaut mieux éviter ces signes-là, écrire directement 2x. Si on a besoin d'un certain point, alors on fait un C dot. Il y a aussi un L dot pour low. Ça ne s'écrit pas. C dot, il y aura aussi, on peut faire times. Il vaut mieux éviter tout ça parce que 2x, ça se comprend directement que c'est le produit. Si on était dans MATLAB ou dans Maple, on aurait utilisé un étoile pour dire que c'est le produit, ce n'est pas la variable 3x, par exemple. La même chose ici, la même chose ici. Ici, par exemple, pour faire la classe C2, donc on a d'autres styles de texte, donc LaTeX Equation. On va faire LaTeX Equation Online. J'ai oublié lequel, donc je vais faire aller vers Classroom. Okay. Pour revoir. M'excuse, j'utilise le style noir. Donc, document simplification du code. Dans simplification du code, nous avons aide à la rédaction référence bibliographique, aide à la rédaction tableau, aide à la rédaction équation. Ensuite, on a online LaTeX Editor. Puisque je suis à l'université, il croit que je suis un pirate. C'est bon. C'est le problème est réglé. Donc, ici, on a plusieurs styles pour écrire les classes. Donc, si on utilise
Mathérin, on a mascal, il ne faut pas faire les faire imbriquer. On a mascal, on a aussi math bébé, la première, on a la quatrième, c'est math frac, et on a la dernière, c'est math SCR. On va prendre tout ça, on va le tester dans notre overleaf. Donc, on va ouvrir un dollar, on va écrire C, 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 C. Ensuite, on choisit lequel on utilise. Je vous fais remarquer, il ne faut pas oublier qu'il y a trois erreurs. Il m'a dit que dans la préambule, il spelled correctly, use package, not ici, not. Donc, MathCal, the control sequence, il n'a pas connu MathSCR. Il m'a dit que nous avons utilisé la belle beaucoup plus d'une fois. Donc, je vais revenir pour corriger tout ça. La première des choses, c'est que un médecin, on va utiliser Math Tools ou Math SFRS. Je pense. Ça se compile. Math SFRS n'est pas compris. Donc, on va faire package math SFRS. J'oublie son nom. Donc, math SCR. Math RS. Math RS FS. On recompile, c'est bon, le problème est réglé. Maintenant, il me reste les labels. Il me dit que label première intégrale. Revenons à première intégrale. Donc, je cherche première intégrale. Je trouve que je l'ai étiquetée ici. La première équation, je l'ai étiquetée première intégrale. Et en bas, j'ai utilisé aussi première intégrale. Il ne faut pas que des équations aient les mêmes étiquettes. Donc, je vais faire une deuxième intégrale. Par exemple, le première intégrale prime, par exemple. Je recompile. Maintenant, je pense qu'il n'y aura plus d'erreur, ni de warning, ni de problème. Par contre, j'ai tous mes C écrits ici. Je préfère, par exemple, pour faire des fonctions de classe C, par exemple, d'utiliser la deuxième. Donc, on va en bas. Donc, j'utilise Mathcal pour dire, par exemple, F, dire la fonction. Bien sûr, on utilise une majuscule. Donc, la fonction F in. On utilise Mathcal, par exemple le C de R. Donc Mathcal C, c'est une fonction appartenant à R à valeur dans C. Donc on ouvre une parenthèse, on utilise MathBB R, par exemple le R carré, à valeur dans C, donc MathBB C. On ferme la parenthèse, on recompile pour voir. Maintenant l'écriture. Est meilleur. Ensuite, je dis par exemple, je dis une autre fois et la fonction g. Maintenant, je vais écrire comme on écrit la plupart du temps. On dit c de r c. Regardez maintenant la différence d'écriture. CRC. Cette écriture est meilleure que celle-ci parce que ici, R c'est quoi? Est-ce que c'est l'ensemble des nombres réels? Est-ce que c'est une variable R majuscule? C'est quoi? Okay. Donc on passe, je pense, à la dernière. Donc c'est la même remarque que précédemment et tout ça aussi. Donc j'espère que cela vous a été fructueux. N'oubliez pas qu'il faut tester votre code et s'exercer beaucoup pour mieux comprendre la structure de la tech et avoir une certaine rapidité d'écriture. Je vous laisse. On se voit dans une autre vidéo. Salam alaikum.